Yo les gens, c'est G.I. John Doe, je retrouve une petite vidéo sur Destiny 2, je peux en attendre pour vous que ça va très bien, Tude. Ça va nickel, j'ai la patate, on est parti pour une petite vidéo sur Destiny 2, pendant que je vous montre mon stuff avec lequel je vais partir sur cette nuit noire solo master en 1080. Voilà, petite intro en différé, on a l'habitude, on connaît les bails ici. En tout cas, j'espère que pour vous ça va très bien, la costéenne ou quoi, le sang, comme on dit, je ne sais pas où en fait. En tout cas, je sais que ça se dit ces temps-ci. Alors, du coup, on part sur un petit, une petite solo nuit noire master. Et du coup, je me permets cette petite intro en différé, comme d'habitude, pour vous donner des ajustements. Voilà, alors sachez que c'est encore une fois une rediffusion de live. Ce n'est pas une vidéo que j'ai rec directement et que je vous envoyais. C'est pour ça que vous avez tous les overlays, que vous aurez les alertes et que vous avez aussi indéniablement du coup une baisse de la qualité. Malgré que je vous envoie ça en 1080, vous verrez que ce ne sera pas tout à fait du 1080 puisque c'est une rediffusion de stream et je ne stream pas au taquet sur Twitch. Malheureusement, problème de matériel. Donc voilà. Donc juste pour vous avertir par rapport à ça. Également, de toute façon vous l'entendrez pendant le gameplay, hein, j'ai un stick qui est en Y, c'est-à-dire que ça fait des mois que je dois changer de manette, mais que je repousse pour voir jusqu'où je peux la pousser cette manette-là. Il s'avère qu'on arrive vraiment au bout, parce que là le stick gauche veut plus, hein, il veut plus répondre, enfin même pas le gauche, le droit, le stick droit veut pas répondre. Pour tourner à droite ça va très bien, pour tourner à gauche c'est problème. Donc ça fait une petite difficulté en plus, hein, qui plus est, donc c'est pas trop dégueulasse, ça va comme on dit. Bon, c'est pas encore trop gênant, mais ça le devient. Bon, bien sûr, à l'avenir on va pas trop tarder à changer quand même, parce que sinon ça risque de poser un petit peu des soucis, hein, on connaît. Mais donc voilà, et aussi petite dernière chose, la prochaine vidéo du coup que vous aurez, j'aime bien toujours annoncer un petit peu à l'avance, je fais généralement une vidéo solo, une vidéo build ou actualité de saison, etc. Et j'enchaîne comme ça. Là la prochaine ça sera normalement, je vais faire ça dans les plus brefs délais possibles, ça sera normalement une vidéo sur les armes de cette saison. Un petit peu aller chercher les godrolls et les armes intéressantes de cette saison. Et potentiellement également les mods de cette saison, comment il fonctionne et tout. Je vais voir si en une vidéo ça fait pas trop long, sinon bah je le ferai en deux. Mais bon, déjà qu'on connaît, moi pour moi déjà pas trop long c'est 40 minutes, hein. Donc voilà, pour d'autres personnes ça sera 10 minutes, pas trop long, moi pas trop long c'est 40, donc on va voir si ça passe les deux. Mais bon, c'est clair que si la vidéo elle fait une heure c'est pas la peine, hein. Je vais pas vous foutre une vidéo d'une heure, ce serait complètement de l'abus. Voilà, donc en tout cas moi je vous laisse avec le live directement. Et puis voilà, et puis enjoy ce petit solo master qui fait tout, qui a fait bien plaisir, hein, qui est tombé extrêmement rapidement. C'était vraiment un first try. D'habitude j'ai le routing où je prends un petit peu mes marques pour savoir comment je vais jouer. Là il n'y a même pas eu besoin. Premier try, c'est rentré. Et puis j'ai voulu faire un deuxième try pour faire un truc plus propre, c'est celui-là, qui était nettement plus propre du coup que le premier. Parce que le premier, je testais quand même des choses et je testais là un build que vous voyez très rarement en master. C'est un build enfin qui est pas trop dur parce qu'il y a de l'anarchie dedans et du sommet, mais il y a enfin c'est la partie on va dire que d'habitude je joue toujours Eriana en master parce que c'est vraiment le pilier d'un build pour une master ou une grand master en solo, parce que pour déshielder des barrières c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Là j'ai essayé de jouer un petit peu la difficulté, c'est-à-dire que là la simplicité sur cette nuit noire aurait été de jouer Eriana batteuse. Pour avoir un easy des shields sur les champions et un easy clean sur tout le reste. Moi j'ai décidé de vraiment avoir un build qui est moins adapté pour cette master que si j'avais fait ce choix là, parce que j'en ai marre de jouer à l'Eriana tout le temps. Donc du coup c'est un sommet anarchie, vous allez me dire oui sommet anarchie, voilà, c'est vrai, mais du coup c'est pas aussi adapté qu'on le croit sur ce genre de nuit noire. Vraiment, dans du jeu classique c'est clair que c'est vraiment très fort. Dans ce genre de configuration ça va être compliqué parce qu'en fait il va falloir compter sur une arme un peu à chier pour clean du coup et pour déchiller les barrières, et c'est du coup ce que j'ai fait avec la logique cryoélectrique, qui est un très bon automatique, mais un automatique ou une SMG dans ce genre d'activité à très haut level de lumière, c'est pas très worse, et du coup vous allez voir, hein, c'est beaucoup de balles pour tuer, etc. Mais bon, c'est de la difficulté en plus, et ça fait plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis je vous dis à la fois prochaine, hein, avec une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. J'ai un problème d'évaluation de distance sur cette putain de zone. Je mets toujours ma grenade trop court. Ça, c'est le problème. Hein.
Just get a reason. Alex, ça va quoi? D'ailleurs, je vais te demander, ton clan est fermé ou il est possible de rejoindre? C'est un clan communautaire que j'ai, donc... si vous voulez join, vous joinez, tout le monde ferait sa popote dans le clan, tout le monde fait ses groupes, ses machins. Ok, donc là, le but, ça va être de pas mourir. Ce qui est logique. Ok, miss. Vachement vite. Oh, il a pas rechargé le con. Sans oppressif, tu déchites jamais avec un auto rechargeant comme ça en plein milieu. Ah, j'aurais. C'est dommage que. Bon, après, là, je m'en demande trop, mais c'est dommage que l'oppressive elle prend autant de place. Parce que si tu mets un petit build sans utile amélioré avec, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Ça serait juste insane. Désolé, je suis sur PS4 mon pote, j'ai pas de. J'ai pas de pression avec un auto. Être agressif comme ça. Ils me sont vénères. Hein. Allez, à toi. Là, par exemple, mon stick fait n'importe quoi. Ça reste de la difficulté. Je pourrais limite le tuer qu'avec un seul coup de sommet, l'anarchie est finie. Si on pouvait s'occuper de toi maintenant. Arrête de bouger là, tu sais déjà que c'est dur pour moi. Don't screw it up. Allez, viens. Viens mon coco, viens mon viens. Oh putain, il est mort encore là. What? C'est vrai que cette zone là tout à l'heure ça avait fait nimp aussi, je me rappelle maintenant. Putain, j'avais perdu full time en fait.
Toi, tu fais tour, mec. Je suis là, gros. Je suis là, tu vois où? Le mec, il fuit, mais en marchant. Il y en a un derrière moi encore, hein. Tu vas où, mon rey? Ça pète de partout, mon pote. Shield Break Charge, hein, qui vient beaucoup aider, hein, sur ses actions à distance. Fallait que ça va, quoi. Mais des coups de prière, vas-y, enlève le laser. Voilà, ça va. Les petits clignotages comme ça, je les sens, hein, je les sens bien. Attention, clignotage. Les bourrins. La costaine ou quoi le sang? Demain pas boulot la belle vie, c'est bon ça. Par contre mon stick est vraiment dead là. C'est de pire en pire. Genre je peux plus tourner à gauche. Hein. En fait j'ai une 106-30 à droite et une 106-1 à gauche, donc c'est chiant. Il me manque un gobelin quelque part là. Pourquoi t'as pas marre des noirs, sérieux? Non, je l'ai first try. Du coup, j'améliore le run. Je l'ai first try avec un gros score. Premier try tout nickel, mais j'avais envie d'aller plus vite encore. Puis tu me dis j'en ai pas marre des nids noirs, y a quoi d'autre à faire dans le jeu, frère? Par contre, la limune, c'est problème. Hein. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Alors là, c'est problème, on va essayer. Ouais, là, c'est la merde, en fait. Regarde, j'ai 5 balles, connard. D'ailleurs, c'est là que j'ai pas eu le magnifique bug aussi, là, de... pour tuer les deux overloads, après. Si ça se passe aussi bien. Et toi, avec lui, il me capte en premier. Ah ouais, s'il te plaît, quand même. Vous avez les à-coups à gauche, on dirait que je joue à la souris. C'est en fait mon stick qui est complètement rinsax, hein. Ni plus ni moins. Ça fait une difficulté ajoutée. Mais les mines, c'est un scandale un peu, hein.
Ah oui, attends, attends, parce qu'il y en a plus que je pensais, et puis eux, tu crois qu'ils te font pas de dégâts, puis d'un coup tu prends Sabbat. Merci, trop de bits. Y'a quoi de si bien là-bas derrière? Ok, ton automatique, c'est logique rue électrique. J'en pense quoi de All Road sur Destiny 1? C'est quoi All Road? Il y a des fois, vous sortez des mots, je me dis, mais j'ai loupé un truc, hein. Zut! Demuna, Demuna, Demunaga. Je dis qu'il se fait harceler sur son handicap, de ouf. C'est un joueur qui se la pète lorsqu'il speedrun en glitchant les murs du jeu. À chacun son bail. Putain, je croyais que c'était lui qui me restait à prendre, je perds mon temps au calme. Vous êtes fiers de vous, Chad, vous me faites perdre 30 secondes, putain de merde. Le stick, oh my god! C'est bon, j'ai plus de sensi à gauche. Ah, ça a rechargé. Ah. Le pain? Tiens. Mais vas-y! Oh! Bah bon, vas-y, prends. Et mon stick, il va me tuer. Il va me faire tuer, c'est sûr. J'ai plus de sensi à gauche. Oh my god, regardez, vous sentez? Vous sentez ou pas? Le Minitel, regardez l'itinéris à gauche. Il est beau. Hein. Toujours en retard lui. Oh non, sans doute. Viens papa, viens. Problème. Ah bah je m'en fous là. Là c'était... ça allait être trop problème là si je faisais pas ça. Hein. Attendez, ASMR. Voilà, merci à tous. Espérons que ça arrange un peu. Ça arrange que dalle. C'est une catastrophe. What the... Oh le chien. J'aurais pas dû faire ça. ASMR manette, bonjour, oui. Bon, faut attendre manette, pas le choix. C'est le problème hein, de ce build. C'est que si la grenade ne veut pas revenir avec les emprises, tes obis la mouche. Ce bâtard il me tire et en fait les obis en me rasant ils me font flincher quoi. S'il te plaît, wesh. Est-ce qu'il n'y a pas un petit spawn là?
J'aurais dû avancer plus direct. La perte de temps. On avance les cocos. Non, pas lui en premier. Yo, my dude! What's going on? Il n'a pas rechargé, hein. Là, je peux laisser faire en vrai. Hein. Oh, ouais. Deux yo. Est-ce que je ramène pas l'autre direct? Je vais devoir aborder the mission. Le soufflage dans stick n'a pas fonctionné. Pas du tout de problème. Hein. Absolument. Ah, j'ai loupé l'anarchie, je l'ai envoyé là-bas. What the fuck? Va dedans. Ah ouais, là c'est chaud. Hein. C'est mort même. Hein. Non mais arrête en fait. L'oppressif trop puissant. C'est l'oppressif qui a stompe le... qui l'empêchait de remonter. Normalement il remonte là. Sa vie. C'est chiant. On va péter un coup de la caboche comme ça il va se ramener. C'est quoi tout ce monde encore? Ils sont sérieux? Wesh, les Képlans. Allô? C'est devenu des acolytes, hein. Ils sont tous planqués, les merdiers. Zéro animation, zéro bruit. Tente l'enculastre de la manette. Ouais, mais là, c'est dead après. Hein. Pas point. Après quelle branche la doctrine? Branche du haut évidemment. Parce que les rotate à droite, à gauche, ça marche mal. Hein. Ouais, à droite, ça marche bien. Du coup, c'est chiant. Arrête, pas trop vite. Il va me cracher dessus, hein. Lui, il a pas les règles de jazz barrière et tout. Hein.
Oh là, le stick pour aller à gauche. En vrai, je sais pas si je peux pas rester ici, genre. Je suis obligé de décaler là-bas pour qu'il referme et qu'il invoque. Non? Bah c'est bon, là. Vas-y, 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 vas-y. Oh my god, that's too much. Faut que je lance bien celle-là. Et je l'ai pas bien lancé, je suis dead. Il est allé dedans. Yeah, vite, 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 vite. Putain, le bâtard. Ma brin. C'est chiant, faut que je remette une nade bien placée. On est bon. Ça fait être une catastrophe. Hein. J'ai pas le son très fort dans mon casque, il faut vraiment que j'écoute. L'œuf ou la boule. Allez. Oh, j'en étais sûr. C'est pas très gentil ça. En théorie, juste être sur la plaque suffit. Pas besoin de rentrer dedans. Voilà, visiblement, si. Comment? Ah, ouais, c'est chiant. Ça va pas compter? Ah ouais, mais s'il te plaît, va plus vite parce que là, il va m'en cracher encore la tête. C'est pas une minou? Ouais, c'est chaud ce que je viens de bouffer là. Oh le bâtard, vite. Oh, ça pue la merde. Ouah. J'ai dû slider entre la pierre pour le minot et pour le boss. Là, contre ça, mais oh. Brain. S'il te plaît, prends. Too limit. Too limit. J'aurais essayé. Ça, c'est pas bueno. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me tuer, vous? Vous allez me tuer, vous? Bande de malades, qui est fou dans la tête, hein? J'ai pas peur, moi, j'y vais comme ça. Bon, voilà, ça, c'est déjà un plus propre. Il s'en fout, hein, dans la tête, ce pays, il s'en fout. Bon, c'est déjà un run plus propre que l'autre. Satisfaisant, va-t-on dire.